Tac. Et bienvenue au Mercredi de l'Esprit. Re-bienvenue à tout le monde. Un petit air de musique histoire de rentrer. Alors, avant ça, je vais couper le chat. Hein, je vais vous couper l'herbe sous les pieds, mes amis. Et on reprend tout à l'heure le chat. Ok ? Bise. Tac et tac. Voilà. Super. Rebonjour à tout le monde. Comme d'habitude, on est réunis au nom de notre unité, donc autant se donner la main, ouvrir notre cœur, voir le cercle de lumière en nous, que nous formons tous et que nous sommes. Juste le dernier couplet, parce que là j'étais en train de le passer pour les gens qui étaient dans la salle d'attente, qui était là avant que j'enregistre sur YouTube. Et j'ai envie de remettre le dernier paragraphe qui nous parle de ce cercle qui est béni par l'objectif que nous partageons. C'est tellement beau, c'est énorme. L'enseignement de l'objectif est juste gigantesque. C'est les enseignements de l'esprit, ils parlent que de ça. Alors, l'encens, il sent pas bon, mais il est terminé. Et voilà. Donc, le dernier paragraphe. Et après, on commence. Je rappelle que le message d'aujourd'hui, c'est la suite du flux. Okay? Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, qui n'étaient pas là avant en direct et qui n'ont pas le livre, il y a un fichier dans les fichiers partagés qui s'appelle « Plus sur le flux ». C'est le message « Suite, plus sur le flux ». Allez, j'ai quand même envie de me faire ce dernier couplet avec vous tous. Come to the circle. It's holy ground, blessed by the purpose we share. Minds that would come awake, leaving the world we made, and reclaiming heaven's love for everyone as Christ. Come to the circle, teach peace with me. Venez dans le cercle enseigner la paix avec moi. Saint-Esprit, j'ai envie d'exprimer une très très grande gratitude pour nous tous, pour le groupe, pour les réalisations, pour l'avancement, pour tout ce qui se passe, pour tout cet amour, toute cette connaissance qui se dévoile de plus en plus à mesure que nous réalisons que l'enseignant c'est toi, ou que nous sommes tous et toutes assis et assises sur un espace de joie, un espace de connaissance, un espace d'amour que nous sommes intrinsèquement et que nous appelons notre identité, notre véritable identité. Merci beaucoup. Une grande gratitude pour tout ce qui se passe. Une grande gratitude également pour augmenter en chacun de nous la bonne volonté de ne vouloir que toi, c'est-à-dire de ne vouloir que nous, de ne vouloir que ce que nous sommes vraiment. Merci de nous apprendre à quel point le but est important, à quel point notre esprit est puissant, à quel point nous avons les commandes de cet esprit, mais pas de la façon dont on semble le croire en surface. Merci de nous rappeler tous ces rappels, tout ce que nous savons déjà, et merci surtout de me donner l'opportunité de te donner, de t'offrir pour te recevoir. C'est en cela que le cercle et nos mains, les unes dans les autres, symbolisent notre non-séparation et notre bonne volonté de t'offrir à notre plus grand cercle. Nous sommes le cercle. Alors, comme d'habitude, je donne cette lecture à l'espace de joie, à l'espace de conscience,
à l'espace qui est bien, bien, bien clair sur le vrai désir de son cœur, à l'espace que nous sommes, pour que tu puisses nous montrer de façon si parfaite tout ce qu'on a tous et chacun de son côté le plus besoin de voir, qu'on puisse réaliser ce qu'on a le plus besoin de réaliser, pour augmenter encore plus notre désir de n'être qu'amour et de ne l'offrir qu'à toi, qu'à nous, qu'à tout le monde, qu'à soi, dans le désir de me connaître tel que tu m'as créé. Amen. Magnifique. Il y a Regina qui est très présente dans mon cœur, que j'invite avec nous. De toute façon, tout le monde est là. Il suffit de fermer les yeux et voir que nous ne sommes pas des corps. Tout le monde est avec nous. Tous les gens que nous avons rencontrés, il y a beaucoup de choses sur le groupe, par exemple. On se parle, on parle de l'amour et on se quitte. On aime quelqu'un, puis on le quitte, puis on est triste. Et les magnifiques réponses, c'est que l'amour est éternel. L'amour, c'est ce que nous sommes. Et tous nos gestes d'amour vis-à-vis de quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas exactement ça qui se passe, sont toujours gardés, réservés pour nous, ainsi que pour l'autre, ainsi que pour tout le monde, dans une sorte de réserve d'amour éternel. Rien n'est perdu, rien de ce qui est vrai n'est perdu. On est véritablement des cellules de notre Créateur qui n'ont pour aucun autre but que d'étendre la joie encore plus loin. L'image qui me vient souvent, qui m'est venue lors d'une conversation téléphonique, c'est que nous sommes comme ce bouton de rose qui n'arrête pas d'éclore. Chacun. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Je reviens au message, je vais lire le début de cette deuxième partie du message sur le flux, qui est tellement importante. Ça s'appelle « Plus sur le flux », page 37 de la nouvelle édition, qui risque de changer elle aussi dans pas longtemps, parce qu'il y a des fautes partout. Regina demandait « J'aimerais en savoir plus sur le flux, ça me paraît très efficace pour m'ouvrir au non-jugement, en effet. Que voudrais-tu me dire à ce sujet ?» On a fait les deux premiers paragraphes la semaine dernière, et on va continuer aujourd'hui. C'est de la bombasse qui arrive. On y va. « Le flux n'est pas juste une idée, c'est un fait. » Pour ceux qui veulent appeler le flux autrement, vous pouvez appeler le mouvement de la totalité. « Le flux n'est pas juste une idée, c'est un fait. C'est la réalité. Rien n'arrive ou n'est expérimenté en dehors du flux. » Rien n'est indépendant. Rien ne peut être accompli différemment de la façon dont le flux l'aurait fait. Les options n'existent pas en dehors de la réalité du flux. Et toute option choisie dans le flux provient du flux. Provenant du flux. Elle est d'unité parfaite et elle est élaborée dans un accord complet. Je rajoute entre nous. Ainsi, elle est au-delà de toute possibilité de jugement. Le jugement imagine des options différentes, des options indépendantes, qui viennent d'en dehors du flux. Il y a encore un paragraphe à lire, mais c'est très important. Parce que celui qui nous fait mal, c'est le jugement, et le jugement du jugement. Le jugement, il y a quelque chose de différent, d'en dehors du flux, et le jugement, pas bien. Ok ? Tout cet enseignement, tout le chemin spirituel, font le zoom sur le jugement. Avant même bien mal, il y a la possibilité qu'autre chose existe que le flux. Et c'est pas vrai. Il n'y a que maintenant, il n'y a que tout de suite. Et c'est tellement évident que c'est une catastrophe pour le mental qui veut faire compliqué et qui veut chercher du compliqué. Essayez de trouver un autre espace que maintenant. Dans quelle direction allez-vous vous tourner ? Alors déjà, vous voyez qu'il n'y en a pas. Mais on est tellement pris par l'existence possible d'un autre espace que maintenant que le seul endroit où on peut aller, c'est dans la création d'un autre espace que maintenant, dans la projection d'un autre espace que maintenant, c'est-à-dire en pensée, c'est-à-dire dans la création d'un futur avec un univers parallèle dans lequel il se passe certaines choses, dans lequel il se passerait autre chose que ce qui se passe là, puisque le but du jugement, le but de cette création, c'est de cette expérience, je crois qu'il va en parler là, le niveau de l'expérience, le but du monde en tant qu'expérience, c'est de faire l'expérience de quelque chose d'autre.
c'est la possibilité qu'autre chose que l'absolu tout de suite pourrait exister. Nous sommes en train, très important, nous sommes en train les uns et les autres de se donner notre réponse à cette question qu'on a posée, que le cours en miracle appelle la petite idée folle. On ne peut pas faire autre chose que tenter de se donner la réponse. C'est ce qui se passe. Une fois de plus, on est créateur. C'est-à-dire, notre esprit est absolument fertile. Notre esprit ne peut rien faire d'autre. Il est branché pour qu'on se connaisse. La substance même de notre esprit s'appelle « connais-toi toi-même ». N'essaie pas de confondre avec l'intellect, hein, parce que là, c'est largué. Hein. C'est pour ça qu'on comprend le but. Si la substance de tout cela, c'est la connaissance, ou « connais-toi toi-même », on s'aperçoit qu'on peut se connaître soi en tant que qui on est vraiment, ou en tant que ce qu'on n'est pas. Mais c'est toujours de l'enseignement que nous enseignons à nous-mêmes. Hein? Nous apprenons ce que nous enseignons. Et nous enseignons ce que nous voulons bien apprendre. Quand on se pose la question, en tant qu'un seul esprit, est-ce que quelque chose d'autre pourrait exister ? La réponse logique, c'est non. Cette réponse s'appelle le Saint-Esprit aujourd'hui. La réponse moins logique, mais tout à fait curieuse et tout à fait possible dans un esprit de fertilité, dans un esprit qui apprend, enseigne à se connaître en tant que une idée ou une autre, le problème avec cette idée-là, c'est qu'elle est fausse. Est-ce que quelque chose d'autre peut exister que tout de suite ? Est-ce que je peux être autre chose que ce que je suis ? La vraie réponse est non. C'est pour ça que je fais une petite parenthèse sur le langage utilisé par les enseignements de l'esprit, qui paraît au début bizarre, c'est quoi, tu te connais en tant que ce que tu n'es pas, tu décides. Et en fait, quand on veut bien redéfinir un tout petit peu son vocabulaire pour s'adapter à celui-là, c'est pas pour faire bien qu'on s'adapte à celui-là, c'est que ce langage-là, il nous est donné, pas de façon anodine, il nous est donné de façon très précise. Et l'intelligence débordante, qui est le terreau fertile qu'est notre esprit, sait exactement quoi faire avec le langage ou avec n'importe quoi qu'on lui donne. Quand on lui donne du langage en voulant bien savoir ou remarquer qu'on ne sait pas, toutes les choses commencent à être redéfinies. Le langage des enseignements de l'esprit est un langage qui, une fois qu'on l'adopte, s'adapte à une réalisation de plus en plus rapide de qui nous sommes et de ce qui se passe, et de la façon de faire. C'est un langage qui n'est pas anodin, parce que chacun de ces mots, même dans la traduction, c'est pour ça que la traduction, c'est une matière molle, quoi. C'est quelque chose qui... c'est un art de traduire, parce que... bref, on va pas entrer là-dedans. C'est de garder le but qu'il y a derrière ces mots. Et chaque mot est imprégné de but parce que cette intelligence sait que tout porte un but. Elle regarde tout notre monde à partir de là où nous existons réellement, mais à partir de l'endroit réveillé du Fils de Dieu que nous sommes. À partir de la conscience pleinement éveillée à elle-même. C'est-à-dire celle qui ne se fait pas avoir par des idées à propos d'elle-même qui sont fausses. Elle parle à une partie d'elle-même que nous représentons, la partie de la grande conscience, de la pleine conscience qui dort par son propre fait, par la bonne volonté. Elle ne peut pas être autre chose que bonne volonté. La bonne volonté de se poser une question et de la prendre au sérieux. Quelle question ? Est-ce qu'on peut être autre chose que ce que nous sommes ? Le problème n'est pas cette question. Le problème, c'est d'avoir oublié de rire à cette question. Le problème, c'est de l'avoir prise au sérieux. Dès qu'on le prend au sérieux, l'expérience arrive. Parce que je ne peux pas faire l'économie des croyances ou des idées qui sont dans mon esprit. C'est pas possible. Parce que c'est comme ça que je suis. C'est pour ça que tout est absolument parfait dans le flux. Parce que tout correspond à un choix. À un choix d'embrasser une idée. Et on va le voir dans ce message aujourd'hui, on va commencer à parler des états vibratoires. Des options qui sont des options de vibration.
Mais là, on redéfinit un petit peu tout cela en disant que je ne peux pas faire l'économie de ce qui se passe dans mon esprit. S'il y a une idée dans mon esprit, elle doit faire un film, elle doit se manifester. Rien qu'en cela, rien que dans ce rappel silencieux, on s'assoit tranquille dans la non-victime que nous sommes. Il se passe toujours exactement ce que je demande qu'il se passe. Même si j'ai encore les yeux un petit peu fermés, il commence à s'ouvrir. Et je réalise de plus en plus l'énormité qui est à l'œuvre. J'ai exactement ce que j'ai demandé d'avoir. Maintenant, ce qui est dingue, c'est que c'est le cas également dans le moindre détail. Mais ça n'est pas un enseignement en détail parce qu'on n'est pas prêt pour ça. C'est pas qu'on n'est pas prêt, c'est que on n'est pas assez réveillé pour aller dans les détails. C'est même pas en plus de réveiller parce que ça a tellement à voir avec le désir. Quand on s'éveille à la magnificence de ce que nous sommes, au tissu de cette expérience qui s'appelle donner-recevoir, ou penser-voir, ou enseigner-apprendre, ça y est, on a trouvé les majuscules, comme on dit. On a trouvé ce qu'on cherchait dans toute notre expérience. Donc on n'est plus si intéressé pour se télécharger la Mercedes ou la carrière spécifique. Qu'est-ce qui reste? Il reste dévotion. Il reste service à soi. Il reste bonne volonté d'élargir la notion de soi, la notion de créateur. Il reste amour. Cet ancien endroit dans lequel on semblait vouloir évoluer pour trouver quelque chose qu'on n'avait pas, change de but. Il change de but parce qu'on s'entraîne à penser comme le Saint-Esprit pense. Il pense but, il pense cohésion, il pense cohérence, il pense verticalité, il pense réunion des verbes. Ils sont tous les mêmes. Il pense à exactement ce dont nous avons besoin pour récupérer notre pouvoir et dire « Ah, ah, j'en veux plus ». Mais pas dire « j'en veux plus » de façon nihiliste, c'est possible aussi, hein, on fait ce qu'on veut. Mais il y a de fortes chances qu'en réalisant la grandeur qui nous a créés à son image, en réalisant le but même de notre création en tant qu'esprit, il se peut fort bien qu'on reconnaisse la non-victime chez tous les frères et sœurs qu'on croise. Il se peut fort bien que rien d'autre ne pourra nous mettre plus en joie que de rappeler l'esprit à lui-même. Parce que quand je me vois en mon frère, lui va se voir également et j'augmente la joie. Pourquoi ? Ben parce que ce que je vois, c'est la joie. Pourquoi ? Ben parce que j'ai été créé joie. J'ai été créé connaissance. J'ai été créé amour. C'est-à-dire la totalité qui s'aime elle-même. Il est difficile pour nos cerveaux, pour notre psyché, de ne pas mettre les choses dans le temps et en perspective. Donc il est très difficile de danser avec le côté « tout est déjà là » sans y rajouter un petit côté figé. Et il est très difficile de marier « tout est là » et « tout s'expanse ». Mais c'est possible puisqu'on apprend, moi j'apprends pareil que vous. Je redéfinis mes mots, je les laisse me redéfinir, c'est pas mal, en voulant bien voir que je ne sais pas, je ne connais pas la signification. Une nouvelle signification m'est donnée et mes yeux s'ouvrent, mes yeux changent sur la merveille qui est à l'œuvre que je ne pouvais pas comprendre parce que j'ai mis des filtres duels sur la compréhension. C'est quoi la compréhension? C'est le matériau de ce qui écoute mes paroles maintenant. Ne cherchons pas à comprendre, nous sommes compréhension. Et on arrive tous ensemble, c'est irrémédiable, la fin est irrémédiable. Le clairon a sonné, donc c'est irrémédiable. On est obligé de découvrir qui on est. On peut encore mettre du temps, mais qui c'est dans cette salle qui a envie de mettre du temps? Qui a envie de délayer encore? Non, j'en entends pas beaucoup.
Alors on va continuer à voir, à voir, à voir, à voir, à voir, et à voir que ce que nous cherchons, c'est le tissu même de toute cette expérience, c'est nous, c'est la pure conscience éveillée, pure intelligence. Pour ça qu'il n'y a pas les uns et les autres, il n'y a pas d'enseignants et machin, c'est... J'ai donné cette lecture à la sagesse de l'espace conscient qui est là. Parce que l'espace conscient est l'espace d'intelligence potentielle, c'est-à-dire tout est là. C'est absolument faramineux, quoi. Alors, quand on va regarder le jugement, pour revenir à cette expérience, le jugement imagine. Le jugement, c'est la pierre angulaire de notre expérience. C'est ce que nous nous sommes donné pour répondre à la question qu'on a posée. Est-ce que ça, c'est clair? Quand je pose une question, je vais me donner les moyens d'y répondre parce que je suis qui je suis. J'ai toujours ce que je demande. Je demande en aimant, mais en aimant quelle idée je demande? Ne pensez pas idée, pensée, hein. Pensez que Dieu est esprit et que nous sommes ses idées. Comme ça, vous allez voir que toute la création, c'est de l'esprit, du pur esprit. Quand on se pose la question, les choses pourraient-elles être différentes de ce qu'elles sont? Quand on n'entend pas la première réponse, qui est non, ou quand on oublie de rire, comme nous dit le cours en miracle, et qu'on le prend sérieusement, ben on va se donner les moyens de faire l'expérience, c'est-à-dire de nous enseigner la leçon qu'on a désiré apprendre. Cette leçon-là, elle n'est pas anodine, celle qui a fait le monde et qui a fait les différentes facettes, parce qu'on a pris au sérieux, on n'a pas rigolé à l'idée d'être autre chose que ce que nous sommes. C'est pour ça que je vous disais que la proposition du Saint-Esprit, quand il nous dit « t'essayes d'être autre chose que ce que t'es », automatiquement et sans réfléchir, le but, c'est pas de réfléchir, c'est d'avoir un automatisme, de savoir que nous sommes connaissance automatique. Mais quand on reste un petit peu avec « je suis ce que je ne suis pas », où je fais l'expérience d'être ce que je ne suis pas, ben automatiquement ça se calme. Parce que le but, il rentre dans notre cœur, il rentre dans notre ventre, il rentre dans toute notre conscience. Je ne peux pas être ce que je ne suis pas. C'est pour ça que c'est l'amour pur qui nous donne la main, comme si on était à la maternelle, avec des mots très simples qui vont pénétrer de façon encore plus simple notre vraie compréhension du cœur. La compréhension de notre matière qui est esprit. Je ne peux pas être ce que je ne suis pas. Et tout l'enseignement n'a pour but que celui-là. Regarde que ça ne peut pas exister, cette histoire. Ça demande du désir, ça demande de la détermination, ça demande du recentrage, ça demande de se rappeler par-dessus tout ce qu'on veut vraiment. Et ce qu'on veut vraiment, c'est la vérité. Ou si vous préférez, ce qu'on veut vraiment, c'est arrêter de souffrir. Ce qu'on veut vraiment, c'est voir comment on se prend pour quelque chose d'autre et essayer de rendre meilleure la vie de ce quelque chose d'autre ne nous amènera pas ce que nous cherchons, puisque nous ne sommes pas quelque chose d'autre, en l'occurrence le corps. Mais embrassez toute votre expérience comme la réponse à la question que vous avez intimement posée. Je parle à chaque facette d'entre nous, quoi. Et il ne peut pas en être autrement, quoi. Ce qui veut dire, ce qui nous donne l'envie et l'amour d'embrasser toute notre expérience, elle n'est là que par amour. Ce que j'ai, je l'ai demandé. Comment je l'ai demandé? Ben voilà, on est en train, semaine après semaine, de s'imprégner de plus en plus de cette connaissance non duelle, cette connaissance du cœur, cette connaissance qui jongle avec les opposés, où enseigner et apprendre sont la même chose, donner et recevoir, c'est la même chose. Mais ce que j'adore, c'est que le côté dynamique, c'est-à-dire je ne suis pas, c'est pas genre il n'y a personne et je m'arrête. Parce que ça n'aurait pas convenu à Laurent, donc c'est pour ça que ça n'est pas arrivé sous cette forme-là. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? On a affaire à un curieux ici, donc on a eu des réponses. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que tout est des idées, et tout est des idées dans ton esprit. Et je vais te montrer comment est-ce que ça revient à apparaître. Pour ça, il va falloir que tu réalises de plus en plus que tu n'es pas une petite chose. Le flux est d'autant plus efficace pour toi maintenant qu'il te permet de voir clairement que tu es uniquement l'amour parfait. Tu te juges à chaque fois que tu sens que tu es moins que parfait. À chaque fois que tu ressens que tu n'es pas la parfaite expression de l'amour, c'était encore la semaine dernière. Un état qui n'est pas parfait amour, créé par l'unité parfaite, ne peut pas exister. C'est littéralement impossible. Chaque moment est perfection, tu es toi-même tel que tu te perçois, le parfait résultat de chaque moment
Parfait. Magnifique. Alors, n'essayez pas de vous en rappeler intellectuellement, bien qu'on fait ça, mais sachez que ce savoir qui nous sauve la vie dans l'expérience, on n'a pas à faire des fiches. Comme pour passer le bac, clin d'œil, c'est aujourd'hui. On n'a pas à faire des fiches. On se rappelle de plus en plus que notre amour sait tout ça. Notre confiance sait tout ça. C'est en graine que ça se passe. C'est pas quelqu'un qui... Ça s'adresse à des quelqu'un qui ne sont pas des quelqu'un. Je continue la lecture. Donc tu es toi-même tel que tu te perçois, le parfait résultat de chaque moment parfait. C'est un gros morceau. Ça enlève complètement le jugement, quoi. L'expérience, au niveau de l'effet, elle commence avec l'effet, c'est-à-dire il y a une cause, les idées, dans l'esprit que nous partageons, que nous sommes, mais que nous partageons aussi, qui se transforment en flux total de toute l'expérience. Mais il ne parle pas autant qu'on voudrait, qu'on pourrait croire, de l'expérience. Quand il parle du flux, il ne parle pas uniquement, n'est-ce pas, des arbres et des corps. Ça rentre dedans, bien sûr. Mais il est en train de parler, il est en train de nous dire, c'est une toute petite partie, ça. C'est l'effet de ton expérience. L'expérience au niveau de l'effet, c'est un tout petit truc. L'esprit est beaucoup plus vaste que ce truc-là. Ce qui nous fait nous détendre sur la vastitude même de la possibilité d'expérience. Nous, on ne regarde pas plus loin que le bout de notre nez, éventuellement jusqu'à la tour Eiffel, mais j'ai mis sur mon écran, d'ailleurs c'est marrant, j'arrête pas de le regarder depuis tout à l'heure, un fond d'écran de crépuscule où il y a les étoiles, la voie lactée et tout, mais le pouvoir que nous avons à chaque fois que nous changeons de pensée, mais c'est un pouvoir sur toute la création. Autrement, on ne serait pas qui on est. La semaine dernière, je crois qu'on a dit qu'on est toujours en rapport avec la totalité du flux. Même si on croit que la totalité du flux est à sembler devenir la petite vie individuelle de Laurent, de Oana, de Christophe. Elle semble être cette petite vie-là, mais elle semble être cette petite vie-là. Quand je change mes petites idées sur la vie individuelle de Laurent, et je crois que c'est tout à fait anodin, et ça n'affecte pas la totalité, non, c'est toujours la totalité qui change la totalité. Nous sommes un seul esprit, il n'y a pas d'autre. C'est pas énorme cette histoire, mais quelle joie alors ce rappel, c'est une joie, c'est énorme. Alors, l'expérience au niveau de l'effet n'est qu'une expérience, elle n'est pas la réalité. Toutefois, on ne peut juger l'expérience comme étant en dehors de la réalité, puisque toute expérience existe dans l'esprit de réalité. Qu'est-ce qu'il veut dire par « on ne peut pas juger l'expérience comme en étant en dehors de la réalité » Ça nous rafraîchit l'idée également, ça nous élargit notre définition, notre conscience de ce que veut dire le jugement. Le jugement n'est pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jugement c'est la possibilité de me faire éjecter d'Éden. Le jugement, c'est juger une possibilité réelle. C'est décider que quelque chose existe. Mais décider que quelque chose existe est déjà une toute nouvelle expérience. Personne ne décide que quoi que ce soit existe, puisque nous sommes l'existence. Et tout est décidé par le Créateur. La décision est un jugement. Le choix est un jugement. Donc pas vrai. C'est vrai qu'on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que le choix est une expérience qui a été créée quand on a oublié de se marrer à la possibilité d'autre chose. Nous sommes les créateurs de l'expérience, du choix, de la décision et du jugement. Choix, décision, jugement, définition sont des synonymes. Si vous pensez à jugement comme ça, c'est génial parce que vous allez encore en dessous du jugement qui fait mal celui qui va juger qu'une option est meilleure qu'une autre. Et qui un peu plus tard va dire, parce que pour que meilleur et moins bon puissent exister, regardez que bien et mal sont dans le coin. Mais avant que ces choses existent, il faut que des options puissent être disponibles et puissent être jugées réelles. Le voilà le jugement, voilà tous les degrés du jugement. L'expérience au niveau de l'effet n'est qu'une expérience, elle n'est pas la réalité. Toutefois, on ne peut juger l'expérience comme étant en dehors de la réalité, puisque toute expérience existe dans l'esprit de réalité.
Bon, c'est très très fort, bien évidemment, ce qui est en train d'être dit. Pourquoi? Parce que le but de ce monde, tel qu'on le voit et tel que, et c'est pas difficile de réaliser le message. Le monde est un message, n'est-ce pas? L'expérience est un message. C'est ça qu'on voit des messages partout, parce que tout est message. Tout est enseignement, donc tout est message. C'est quoi le message? C'est que notre créateur a foutu le camp ici. L'existence unique s'est cassée. Dieu est mort. Nous sommes tout seuls. Voilà le message du monde. Voilà le message de l'expérience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la création? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pu faire quelque chose en dehors de mon esprit, en dehors de l'esprit un. J'ai pu me créer un esprit plus petit, m'inventer un monde en dehors du grand esprit, qui est Dieu, et j'ai pu faire tout ça en dehors de la réalité. Quand on gratte un tout petit peu la réalité, le mot réalité, par rapport à notre expérience, de façon scientifique et curieuse et très ouverte, on s'aperçoit que réel ne peut correspondre qu'à quelque chose qui ne change pas, qui ne bouge pas. Donc solide, quoi. Réel. C'est la définition mathématique. Réel. Ou parfait. Parfait. Qui ne supporte aucune modification, si vous voulez. On se dit, bon, bah, c'est pas là. Et regardez, il n'y a pas un truc qui ne bouge pas ici. Ça veut dire que si on ne regarde pas plus en profondeur les choses, si on s'arrête, si vous voulez, notre niveau d'observation s'arrête à une certaine distance de la matière pour faire l'expérience observateur-observé, le message est clair. Le message est clair. L'existence, la perfection est partie, quoi. Elle n'est pas là. On essaie de la trouver d'une façon ou d'une autre parce qu'on est branché perfection, c'est ce que nous sommes. Nous sommes les fils et les filles de la perfection. C'est pour ça qu'on cherche. On cherche quoi? On cherche les majuscules, comme on dit. On cherche ce que nous sommes. On cherche la perfection. On cherche l'esprit de réalité. Et tous ces messages nous disent, t'as pas besoin d'aller très très loin pour le trouver. C'est tout ce qui est. Hein? C'est tout ce qui est. Alors ça, c'est un message qui est anti-sens. Le sens au niveau de la signification et au niveau de ce que nos sens nous amènent. Les yeux, les oreilles, les sensations, les pensées, les émotions. La signification des choses, mais être complètement à l'ouest de ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que le message est à l'ouest. Il est différent, le message. Le message, c'est le but. Et le but, c'est la réponse à la question qu'on a posée. Est-ce que les choses pourraient être différentes? La réponse est non. Mais quand je crois à cette question, je vais me mettre à croire à la réponse. Croire à la réponse, c'est possible, et je suis dans le monde. Le monde est la réponse à ma question. Avec des gens différents, avec des réalités différentes partout. C'est-à-dire, on est loin, loin, loin dans le délire de la différence. Alors, un, la différence n'est rendue possible que par le jugement, qui la juge réelle et possible, en dehors donc de la non-différence, qui est l'esprit de réalité. Et deux, ou trois, le jugement juge que c'est pas bien. Plutôt que de discerner, on a jugé pas bien. Et c'est comme ça qu'on s'enferme. Le message sur le flux a pour but de nous enlever totalement le goût de juger. Enfin, pas que le flux, il y en a plein d'autres. Plein, plein d'autres. Qui nous enlèvent le goût de juger. Le goût de rendre possible ce qui ne l'est pas déjà, de reprendre notre pouvoir et surtout d'arrêter de juger comme pas bien. Parce que là, il va nous dire que quand tu juges quelque chose comme pas bien, même si c'est une toute petite chose, tu peux pas le juger en dehors de l'esprit de réalité à l'intérieur duquel ça se passe. Donc, quand tu juges le relatif, c'est l'absolu que tu vas juger. Et c'est pour ça que tu as mal. Voilà la raison pour laquelle on souffre. On se dit, bah, on s'en fout de juger l'arbre. Mais l'arbre, il est en toi. Et quand tu... Qu'est-ce que ça veut dire juger l'arbre? Pas uniquement pas bien. Juger l'arbre, c'est lui donner une existence indépendante du tout. Quand je juge l'arbre ainsi, et c'est bien de l'appeler comme ça, jugement, ça c'est clair. Quand je juge l'arbre ainsi, quand je juge Olivier indépendant de moi, quand je juge Laurent indépendant de Catherine, quand je juge la bouteille d'eau indépendante du livre, quand je juge ça, je le juge indépendant, je suis en train de déclarer que tout cela a lieu dans un autre endroit que l'esprit de réalité qui, lui, ne voit pas d'indépendance ni de différence. C'est notre amour. C'est notre pure potentialité. Le message de ce premier paragraphe, c'est que quand tu juges quoi que ce soit, tu juges la totalité tout entière. Et jugeant la totalité tout entière ou quoi que ce soit, tu te juges toi-même parce que tu es la totalité tout entière.
on ne voit que soi. Même si on croit voir autre chose que soi, ça ne change en rien la réalité et ça ne change en rien les conséquences de notre petit jugement. C'est pour ça que le monde est dans un bordel grave, quoi. Parce que même si on croit que c'est bien nos bonnes intentions, nos trucs et tout, dès qu'il y a un petit jugement qui rend réel une indépendance, et qui après va la juger bonne ou mauvaise, voilà ce qu'on est en train de se faire à chaque fois. Individuellement et de façon globale. Même si c'est vrai qu'individuellement, cette notion est amenée à grandir pour être redéfinie de plus en plus. J'ai même pas envie de dire qu'elle n'existe pas, cette notion d'individualité. Mais en tout cas, au niveau où on la comprend, elle n'existe pas. Nous, on la comprend en tant que moi, je suis là et je suis indépendant dans mes choix. Non, ça, c'est une expérience qu'on s'est donnée ensemble. Donc le flux, on l'a créé ensemble, nous sommes le flux tous ensemble. On ne peut pas être séparés. C'est la catastrophe pour l'indépendance qui veut garder toutes ces petites choses secrètes. C'est la perle de joie pour celles et ceux qui s'éveillent à ce qu'ils veulent véritablement depuis toujours. L'amour des majuscules. L'expérience au niveau de l'effet n'est qu'une expérience, elle n'est pas la réalité. Toutefois, on ne peut juger l'expérience comme étant dehors de la réalité puisque toute expérience existe dans l'esprit de réalité. Le courant miracle nous dit « les idées ne quittent pas leur source ». Ça veut dire que nous n'avons jamais pu quitter notre source, étant idée du Père. Mais toute notre création va suivre de toute façon la même règle, puisque ça se passe au même endroit, géré par les mêmes lois. La loi de l'amour, la loi de l'un. Demande et tu recevras. Mais où est-ce que ça se passe, demande et tu recevras? Dans le même endroit, ça n'a pas quitté, n'est-ce pas? C'est rien à quitter, si vous voulez. C'est pour ça que je juge n'importe quoi, je juge Dieu. Et j'ai peur. Et je m'en veux. Il faut voir que les idées ne quittent pas leur source et que derrière l'impression de perspective, il y a de la zéro distance. Il y a de l'immédiateté tout de suite. On n'a pas besoin de temps pour réapprendre ce que nous sommes ni pour juger quoi que ce soit et pour en avoir les effets. L'esprit de réalité augmente en vibration de plus en plus, en vibration de vrais désirs. Les vibrations sont des désirs, donc des consciences. Ouh là là, ça va un peu loin plus tard dans les enseignements. Je suis déjà en joie. On n'a pas besoin de temps pour ça. On est en train de réaliser, là on est 90 à réaliser ce truc, on est beaucoup plus sur YouTube, on est plus de 2000 ou 3000 ou 4000, à réaliser qu'il arrive toujours ce qu'on a demandé. Ça veut dire qu'on est maître de tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'on est maître du temps. Pourquoi ? Ben, le temps répond à mon besoin de le garder ou pas. Mais si j'ai envie de me la jouer victime, et c'est pas de ma faute. Donc j'ai besoin que le temps, je charge le temps de la mission de délayer les effets de leur cause. Et c'est comme ça que ça continue à marcher le monde. La distance, la perspective et le temps. Mais quand on se rappelle qui on est, quand on commence à penser comme ça, on se dit, attends, deux secondes. Quand je suis en joie, les choses se font comme ça. Ma vie est fluide, mon monde s'évapore, c'est-à-dire je demande un truc, je l'ai tout de suite, avant même d'avoir demandé, je l'ai. Il n'y a pas de temps là-dedans, et ça m'excite total quand les choses arrivent dans une synchronicité de plus en plus unique, plus en plus une plutôt qu'unique. À un moment, on atteint, je parle de mon expérience, mais je la partage sur le groupe, et je suis très content de voir que c'est tellement fluide les partages, et que ça confirme dans les expériences. On arrive à des niveaux de conscience qui sont durs à tenir pour le corps, tellement on est joyeux, quoi. C'est difficile, le corps il est pas branché encore, grosse joie, quoi. C'est de la grosse énergie, la grosse joie, quoi. La grosse joie, c'est tout est synchrone. Tu tournes la tête et là, non, c'est pas vrai. T'oses plus maintenant tourner la tête, t'as le coup qui fait, dès que tu tournes la tête partout, c'est pa, et là, oh là là, qu'est-ce qui se passe ici, c'est Disneyland, quoi. C'est qui on est, c'est le tissu de notre esprit, il est pure connectivité, il est pure résonance avec lui-même. Nous sommes les fils et les filles nés de la pure résonance avec elle-même. Donc on n'est pas du tout séparés. On est totalement un. Et on peut servir de l'expérience aujourd'hui pour revenir, c'est-à-dire pour réaliser dans le creuset même de la différence, de la culpabilité, de la haine et du meurtre, se regarder dans les yeux, descendre dans le cœur. C'est-à-dire c'est là que ça regarde vraiment et voir qu'on est non seulement pas espacé, mais on est les mêmes, on n'est pas du tout différents. Mais réaliser ce truc-là, d'après vous, ça fait quoi à la matière, ça ?
Ça fait quoi à tout le tissu derrière? Tout est tordu à chaque fois qu'il y a un mec qui regarde comme ça, quoi. Mais ça va prendre de moins en moins de temps. Puisque nous sommes toujours le flux, même si on croit qu'on est une petite facette, on est le flux tout entier, nous donnant. Comment faire pour croire qu'on est un petit truc? Mais miser tout sur le temps, demander au temps de donner beaucoup de délai entre ma pensée et ce que je vois. Et bien ça, et ça on le voit en plus dans tous les écrits un petit peu ésotériques, spirituels, les dimensions, les machins, que je suis passé un peu par là, je trouve ça moins complexe que ça bien sûr, mais à partir de là, je peux tout regarder. Il y avait une publication sur le groupe à propos de l'astrologie et de tout le reste. Le Saint-Esprit ne casse rien. Le Saint-Esprit, c'est le tissu. Le tissu a tout accueilli, mais quand on lui donne notre astrologie, notre thérapie, notre nourriture, notre habillement, notre relation, notre enseignement, mais il va tout retourner. Il va tout retourner à partir d'où? Aucun effort pour lui. Il sait la réalité de toutes les choses parce que les choses n'ont pas quitté leur expérience. Et leur expérience n'a pas quitté l'esprit de réalité qui est pure synchronicité avec lui-même. Donc tout résonne. On ne crée pas la résonance. On gratte un tout petit peu les couches. La paille qu'il y a dans l'œil de mon frère, je vais plutôt regarder la poutre qu'il y a dans le mien. Je gratte un tout petit peu la surface de cette poutre, réaliser qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et je tombe en amour pour tout le monde et toute chose. J'enlève un tout petit peu plus de maquillage que j'ai placé sur la pure résonance avec elle-même. Et la pure résonance avec elle-même, moi je ne sais pas vous, mais il faut y aller mollo, hein. Parce que ça déménage de joie, quoi. C'est quand on enlève les significations des choses que les choses deviennent majestueuses, magnifiques, belles, résonantes et tout le reste. Donc, paradoxe, ça veut rien dire et c'est merveilleux. Ça veut rien dire et c'est superbe. Meaningless yet beautiful, me disait l'esprit. L'expérience au niveau de l'effet, mais c'est un marathon aujourd'hui. Un marathon qui avance, mais à 1,5 à l'heure. Mais j'aime bien. L'expérience au niveau de l'effet n'est qu'une expérience. Elle n'est pas la réalité. Toutefois, on ne peut juger l'expérience comme étant dehors de la réalité puisque toute expérience existe dans l'esprit de réalité. Si l'expérience est jugée, alors la réalité est elle aussi jugée. Tu ne peux juger la création sans juger le créateur. Tu ne peux juger ton petit moi sans juger la totalité de qui tu es, le flux tout entier, cause et effet, qui est Dieu. C'est ici que toutes les peurs prennent racine. Bon, ben on vient de le comprendre, ça nous le confirme, on peut revenir calmement sur, tu ne peux juger la création sans juger le créateur. Le créateur, c'est toi. Je vois ce que je crois. Je vois ce que je veux. Je vois ce que je désire voir. Et avant tout ça, j'ai posé une question que j'ai désirée, puisque j'ai pas rigolé à cette question. Donc j'ai donné ma joie, mon amour à cette question en la prenant sérieuse. J'ai la réponse. Il y a un endroit dans NTI, dans INT, dans l'interprétation du Nouveau Testament, dans les Romains, où il nous dit, ça y est, t'as répondu à ta question. C'est bon, lâche-la, quoi. Elle te fait souffrir, ta réponse. La réponse à ta question te fait souffrir. Va lâcher la question, quoi. Mais c'est très important de voir ça parce que ça nous montre, ça développe notre conscience qu'à chaque instant de chaque journée, de chaque seconde et de chaque minute de chaque journée, on est en train de déclarer quelque chose. On est en train de dire c'est bon ou on continue. Demandez à voir, c'est-à-dire demander à voir, demander à exploiter la conscience de ce que vous créez à chaque instant, c'est le but des enseignements. Mais dans le langage que nous utilisons aujourd'hui, qui est bien, bien, bien beau et profond, demandez à voir quand vous mettez encore de l'huile sur le feu de la question qui ne vous intéresse plus vraiment. Demandez à voir quand vous n'êtes pas satisfait des réponses que vous avez, vous en voulez plus, c'est-à-dire vous êtes en train. À chaque fois que je juge une expérience, je dis c'est pas bien. Ce que je suis en train de déclarer, c'est qu'il peut y avoir une autre expérience que celle-là, qui est mieux. Quand je fais ça, qu'est-ce que je suis en train de faire plus profondément en tant que vous et moi et un tous ensemble? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de demander encore à m'enseigner que la petite idée folle n'est pas folle. Je suis encore en train de me demander, de me donner, parce qu'il n'y a que moi ici, de me donner une réponse, moi que je partage avec vous, hein. On n'est pas multiples.
moi qui me donne, qui demande de me donner, de m'enseigner la réponse que je demande d'apprendre, et c'est encore la même, c'est maintenant pour être autrement que ce qu'il est. Voilà ce qui se passe à chaque fois que je juge. Je suis toujours en train de vouloir autre chose que ce qui se passe. Et bien ça, ça apparaît dans mon expérience comment ? En tant que réaction, en tant que pensée, en tant qu'émotion, en tant que humeur par exemple. Et dans mon expérience, elle va prendre cette forme-là puisque je lui demande d'être exactement comme ça. Je lui demande de me donner la possibilité de vouloir faire autre chose comme expérience. Donc voilà, ça va coincer, ça machin, bidule. Mais quand on voit ça et qu'on fait pause, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de déclarer? Oh, mais je suis encore en train de m'apprendre une leçon que ça y est, j'ai appris, il y a belle lurette, c'est terminé cette histoire. Ah, mais je suis encore en train de dérouler le tapis du temps là-dessus. Je suis encore en train de me faire croire que je veux que les choses soient différentes. Pause et j'attends. J'offre. J'accepte. Je fais confiance. Pourquoi? Pour arrêter de me poser une question qui ne m'intéresse plus. Donc tu ne peux juger la création sans juger le créateur. Tu ne peux juger ton petit moi sans juger la totalité de qui tu es, qui est Dieu. La totalité de qui nous sommes, c'est Dieu. On juge n'importe quoi, c'est Dieu qu'on juge. Et comme à un niveau de notre esprit, on le sait, on se juge pour ça aussi. Et boum, rebelote là-dessus. On y va à double tour. On sait qu'on est en train de juger Dieu et on s'en veut de juger Dieu. Dieu ne nous en veut pas du tout de le juger. Il nous dit, mais tu délires de juger, tu te fais mal, quoi. Moi, je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Et en plus, je suis toi en opération. Nous sommes Dieu en opération. Laquelle ? Étendre la joie. Les boutons de rose qui n'arrêtent pas d'éclore. Et tu te juges. C'est-à-dire, tu sembles arrêter l'éclosion et tu te juges d'arrêter l'éclosion. Donc, je t'attends et réveille-toi. Parce qu'on a peur, bien sûr. Pourquoi on a peur ? Parce que quand on juge quoi que ce soit, son petit moi, sa personnalité et les expériences de sa personnalité, on juge toujours la totalité. Donc, ce message, là, on ne peut pas séparer une petite idée de la totalité de l'esprit. Dans notre expérience, on ne peut pas en retirer un arbre de la totalité du fleuve ou de la forêt. On touche à un arbre, on touche à la forêt tout entière. Même si on se donne l'expérience, tant mieux d'ailleurs qu'on se donne cette expérience, autrement on serait mal avec notre conscience, même si on se donne l'expérience que non, mon jugement sur un arbre n'a pas d'effet sur toute la forêt. Heureusement, parce qu'autrement on se sentirait beaucoup trop coupable, quoi. Mais là, on a les moyens de passer de coupable à responsable innocent, et une erreur n'est pas un péché, en fait. Okay, le juger est une erreur, c'est pas un péché. Le jugement du jugement nous dit qu'on a péché. Et voilà toute l'humanité, voilà les bibles qu'on a, voilà les dieux qui vont se venger, etc. Ok, ceci étant dit, focalise-toi sur le flux, garde ton esprit aujourd'hui à chaque instant conscient du flux qui est, ne recherche que le flux et tu recherches la réalité. Immerge-toi dans la conscience du flux en gratitude et ainsi tu t'acceptes, toi et tes frères, comme l'écho de la réalité que tu es. Une seule réalité, des frères, la réalité c'est chacun d'entre nous, en tant que non différent, en me mettant dans le flux, c'est-à-dire en ne pensant que forêt, je pense que forêt pour moi et pour tout le monde, et je m'aperçois que je suis tout le monde et que mes frères sont moi. Je partage une sorte d'expérience un petit peu collective. Ou, c'est une façon de le voir, où mes frères et sœurs jouent, comme on l'a vu la semaine dernière, jouent un rôle magnifique dans la possibilité même que j'expérimente ce que j'ai demandé. Donc, grand amour, si vous voulez. Mais quand je commence à m'immerger dans la conscience du flux, je commence à reconnaître mon frère, pas en tant qu'individualité séparée, indépendante, choisissante, qui peut me faire du mal ou qui peut me faire du bien. Non, je commence à le voir, à l'avoir comme fils et fille de la forêt. Fils et fille de la forêt veut dire qu'il ne s'est jamais séparé de la forêt, veut dire qu'il est la forêt et que moi je suis la forêt. Et hop, on bascule dans l'unité comme ça. Le regard que je vais attraper par cette conscience du flux, par cette conscience de la forêt, par cette conscience de l'unité, est un regard aimant, intelligent, joyeux, partageant, confiant, ne voyant pas de séparation, ne voyant pas de différence, mais reconnaissant ces différences comme non vraies, mais toujours en étant très actif dans l'éveil, ou si vous voulez, dans la non-peur qui est proposée à toutes les facettes de moi-même qui croient encore qu'elles sont en train de rêver. Un peu d'eau.
Il est bon ce silence. C'est très riche hein, à chaque fois, c'est très intense. Donc, s'immerger dans la conscience du flux en gratitude, c'est marrant parce que tout ce qu'on nous demande, c'est comme s'il nous demandait à nous de faire des choses. Et c'est comme ça qu'il faut l'accepter au départ, parce qu'on croit qu'on est des nous qui faisons des choses. Mais regardez que tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de planter des graines de confiance et de gratitude, et de voir et de conscience. C'est quoi? C'est tout simplement nous ramener à l'unité du rayon que nous sommes. Et ce rayon est conscience, ce rayon est responsable, ce rayon est confiance, ce rayon est gratitude pour lui-même. Pourquoi? Parce que c'est le bouton de rose qui n'arrête pas de grandir. Déclore, 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 déclore. Comment? Par la gratitude constante du Père s'étendant dans son Fils. Toutes les qualités qu'on cherche, même pour une personnalité, sont les qualités de notre Créateur. On cherche à être humble, mais le Père s'efface totalement pour son Fils. Il se donne complètement à son Fils. Quand ça passe par un filtre et on croit qu'on est un personnage et on veut devenir altruiste, c'est sympa, mais à un moment, on est devant un mur. Il y aura toujours un mur d'injustice, un mur de trucs. Parce qu'on ne peut pas devenir des super-héros avec un... Je ne dis pas le corps lui-même, on s'en fout. Il n'a pas dit son dernier mot, en plus, le corps. Ce n'est pas le corps, le problème. C'est la coque mentale que nous avons avec laquelle on s'étrique. Avec cette coque-là, je suis une personne, je suis un arbre séparé de la forêt, vous pouvez aller avec tout l'altruisme que vous voulez, toutes les bonnes intentions que vous voulez, elles partent d'une erreur. Cet enseignement s'adresse de temps en temps de l'autre côté du filtre, de temps en temps du bon côté du filtre. Mais même de l'autre côté du filtre, il a pour but de dire « c'est un filtre ». T'es un. Tu peux en vouloir à ton frère, à ta sœur, t'es un avec lui. T'as pas envie de le voir, ok, mais t'es un quand même, ça change pas la réalité. Parce que ton expérience d'irréalité n'a pas quitté l'esprit de réalité que tu es. C'est du bon costaud ce truc-là. Immerge-toi dans la conscience du flux en gratitude. Tu t'immerges dans la conscience du flux. Il n'y a que des synonymes. S'immerger, retour à soi, la conscience consciente d'elle-même, dans la conscience du flux, c'est la totalité, mais le flux est conscient, et c'est la conscience. En gratitude, c'est encore une... Oui, c'est énorme, c'est énorme. C'est que des déclarations d'amour, c'est que des pépites d'or qui ont des kilomètres de clarté, mais surtout... Plus que de la connaissance, parce que c'est sympa la connaissance, mais c'est pas que ça, c'est la source de la connaissance, c'est rentrer vraiment à la maison, quoi. Qui est pure connaissance, pure joie, pure conscience, pur flux. Immerge-toi dans la conscience du flux en gratitude et ainsi tu t'acceptes, toi et tes frères. Tu t'acceptes, toi et tes frères. C'est-à-dire qu'il parle à Laurent, mais Laurent croit qu'il est encore Laurent, mais Laurent est tout le monde. Même mes frères, c'est moi. Et donc c'est vous aussi. Je disais tout à l'heure, il y a différentes façons de le voir parce qu'il y a un autre niveau qui est après la co-création, qui est un niveau de création où on s'aperçoit que chacun a sa bulle, chacun a son univers. Mais on se rejoint toujours dans l'esprit de réalité. Bref, c'est une petite graine comme ça. Alors, quand tu t'immerges dans la conscience du flux, en gratitude... C'est génial. Il parle pas à quelqu'un en fait, c'est ça qui est génial. Ainsi, tu t'acceptes, toi et tes frères, comme l'écho de la réalité que tu es. Ok, il n'y a pas de réalité au niveau de l'expérience, mais au niveau de l'expérience qu'on peut appeler un rêve, par exemple, jusqu'à présent, c'est un cauchemar, basé sur le truc non solide que l'existence est séparée et indépendante. Change le but. Vois vraiment comme le flux voit. Le but a changé et ça y est, ton expérience se ramollit tout de suite parce qu'elle n'était qu'un rêve, elle n'était pas solide. C'était un rêve de solidité. Ton rêve de solidité, tu l'as enlevé quand tu as déclaré que tu voulais faire une autre expérience ou tu as répondu à ta première question. C'est bon, merci, c'est bon. Maintenant, je veux autre chose. Et c'est ce qu'on appelle le monde beaucoup plus mou, le monde ramolli, le monde qui s'effrite un peu, c'est-à-dire le rêve heureux dont nous parle le cours en miracle. Le rêve que nous allons expérimenter, nous allons déambuler dans notre rêve avec les yeux du Saint-Esprit, qui sont tout puissants. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Dieu est le regard par lequel je bénis le monde.
de Dieu la lumière dans laquelle je marche. Et tout ça n'est rien d'autre que ce à quoi j'ai offert cet enseignement tout à l'heure. Okay. Oui, ce que je disais, c'est que l'expérience n'est pas la réalité, mais elle peut être l'écho de l'idée de réalité. Vous voyez, c'est très différent. Il n'y a pas de réalité dans le monde. Il est l'enfant d'une femme stérile. J'adore ce truc. Pourquoi ? Parce que l'idée à la base du monde est fausse. Je pourrais être différent de ce que je suis. L'idée créatrice de ce monde tel que nous le percevons, tel que nous l'avons manifesté, n'est pas vraie. Donc le monde n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il est le fils d'une femme stérile. Ou si vous voulez, le cours en miracle nous dit « il n'y a pas de monde ». Le Saint-Esprit ici nous dit « tout est idée dans ton esprit, il n'y a pas de monde ». En dehors de tes idées. Mais tes idées d'un monde sont une idée fausse. Parce que le but à l'œuvre n'est pas un écho de la réalité. Tout ce qui n'est pas un écho de la réalité est un écho de la fausseté. Et la fausseté n'existe pas. N'est pas réelle. L'écho non plus n'est pas aussi solide que la réalité, mais il le représente. Je parle de notre matière. Notre matière est l'écho d'une idée dans notre esprit. Déjà, ça nous donne l'idée de la puissance d'une idée et donc de la puissance de l'esprit dans lequel l'idée est pensée. Mais quand on voit que toute l'expérience est l'effet, l'écho d'une idée, on change d'idée, c'est-à-dire on change de but, et c'est pour ça que les synchronicités arrivent de tous les côtés et qu'on commence à s'éveiller, qu'on est un et qu'on comprend et que machin et qu'on pardonne et c'est super. Pourquoi ça va vite ? Parce que ça n'a plus besoin d'aller lentement. Donc l'écho de la réalité plutôt que l'écho de l'irréalité, c'est un point important. On continue un petit peu ? Dans la perspective de ton enseignement sur le flux, je voudrais te poser quelques questions concernant le choix, évidemment. Tu nous as dit qu'en réalité, il n'y avait pas d'options parmi lesquelles choisir. Il n'y a que le flux. Tu nous as aussi parlé d'options existantes dans le flux. Alors, y a-t-il des options ? Existe-t-il des choix ? Et si c'est le cas, cela ne crée-t-il pas matière à l'erreur ou au jugement ? C'est une super question. C'est quoi ce paradoxe ? Tu nous dis qu'il y a des options, puis il n'y a pas d'options. Il y a le choix, il n'y a pas le choix. C'est quoi ce bordel ? Alors, quand on pose la question, le plus important, c'est à partir d'où est-ce que je pose la question ? Si je pose la question à partir d'un arbre indépendant, même s'il veut s'éveiller, c'est un arbre indépendant, je suis en train de déclarer quelque chose. Je suis en train de créer. Je ne peux pas ne pas créer. Qu'est-ce que je suis en train de créer ? Je suis toujours en train de créer une position. Et il n'y a que deux positions possibles. La position réelle ou la position non réelle. M'apprendre que je suis ce que je suis et qu'il ne s'est rien passé, ou m'apprendre, continuer de m'enseigner que je suis ce que je ne suis pas. Un arbre indépendant dans une forêt qui n'a rien à voir avec moi. Au mieux, une partie de la forêt a à voir avec moi, c'est ma famille, mais c'est des chelous quand même. C'est comme ça qu'on regarde quand on est séparé, individuel. Même dans une famille, il y a toi et il y a moi. Et le plus important, c'est moi. C'est pour ça qu'elle est affreuse, cette expérience. Parce qu'il n'y a pas d'amour là-dedans, quoi. Il y a d'amour dans l'essence même de cette expérience de meurtre, de non-amour, de séparation. L'essence même de cette expérience, c'est l'esprit de réalité, c'est l'amour que nous recherchons. Donc, tiens, ben voilà ce que dit le Saint-Esprit. À l'instant même, tu es en train de te voir indépendante, et cela conduit au jugement et au sentiment d'indignité. Il n'est pas du tout utile de se voir de cette façon, et c'est pourquoi je t'ai demandé de rester focalisé sur le flux. Alors, ce message nous permet de déraciner le jugement à la base. Et le jugement qui fait mal, c'est le jugement sur nous-mêmes. Et je ne peux pas ne pas déclarer quelque chose. La partie créatrice de mon esprit, qui crée des perceptions, ne dort jamais. Je suis tout le temps en train de créer quelque chose. C'est vrai, je suis tout le temps en train de demander. Et donc de recevoir. Sauf si je crois encore, si je demande encore que le temps me donne du délai. Mais tout ce que je demande, je le reçois. Tout ce que je le reçois, je l'ai demandé. Et même, c'est de plus en plus instantané. Ce message, je crois, un tout petit peu plus loin, part de l'instantanéité du moment présent, où tout est complet, parfait maintenant. Il n'y a pas un autre moment présent, en fait. Demander, recevoir, être un, en fait. Quand je pose une question, ce n'est pas la question en elle-même qui importe, c'est d'où ça vient. Qu'est-ce que je déclare ? Quel est le but derrière la question ? Et je vais vite m'apercevoir que le but, il n'y en a que deux. Une fois de plus, c'est toujours le même enseignement. Je suis ce que je suis ou je suis ce que je ne suis pas. Ce que je ne suis pas, c'est une créature de manque. Manque de compréhension, manque d'amour,
Manque de douceur, manque d'intelligence, manque de connexion. Si je pose la question à partir de là, je suis en train, rien n'est anodin. Même si j'ai oublié que je n'étais pas une petite chose, je suis quand même une vedette. Je suis toujours en train de déclarer. La vedette, c'est pas ce que je déclare, c'est le fait de déclarer. C'est ça la vedette. C'est ça que Dieu a créé. Il a créé un esprit qui pourrait s'appeler demande-reçois ou connais-toi toi-même. Quand je pose une question pour combler un manque de réponse, je suis en train de continuer à m'enseigner que les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont. Je suis en train de continuer à demander de faire l'expérience de la différence. Je continue à demander, à créer la perception d'être une personne indépendante et de dire que ça n'est pas de ma faute. Et déclarer ça, c'est se sentir intrinsèquement indigne et coupable. C'est pour ça qu'on ne peut pas traiter une idée en surface. On ne peut pas traiter un problème en surface parce que toute la surface est problématique. Ou elle n'a pas de problème, si vous préférez, mais ça revient au même. C'est en dessous du champ de bataille qu'il faut descendre, ou au-dessus. Dès que dans mon quotidien, dans ma journée, je me déclare inconsciemment ou consciemment, mais c'est au-delà d'inconsciemment ou consciemment, parce que ça va donner ça va donner ça va donner raison aux théories sur l'inconscient. Et il n'est pas question d'inconscient dont on pourrait être victime, par exemple. Il s'adresse pas du tout à ça, là. Non. En revanche, on peut remarquer ou pas ce qu'on est en train de déclarer, plutôt que d'aller donner l'excuse de l'inconscience. Non, je déclare quelque chose sans le remarquer. Regardez comme c'est beaucoup plus calme que oh, inconsciemment, mon subconscient m'en envoie de tous les côtés. C'est pas utile de penser comme ça. C'est encore déclarer victime de penser comme ça. Il n'y a pas une seconde dans chaque minute de toutes nos heures et de toutes nos journées où nous ne sommes pas en train de créer une perception. C'est pour ça qu'on est des vedettes. Même si on crée des choses qui font mal, c'est pas grave. Le fait de créer, c'est la reconnaissance qu'un bouton de rose qui éclot éternellement a été créé. C'est dans le fait d'être ce qu'on est et de voir comment ce qu'on est marche qu'on retrouve notre beauté, qui n'a pas de forme, mais qui fait flamber toutes les formes de beauté. À l'instant même, tu es en train de te voir indépendante en posant cette question. Genre, il y a le choix, il n'y a pas le choix. Vous entendez le sax? Ça veut dire, c'est bientôt la fin. Et cela conduit au jugement et au sentiment d'indignité. Il n'est pas du tout utile de te voir de cette façon, c'est pourquoi je t'ai demandé de rester focalisé sur le flux. Tout est message d'amour, mais tout est du 38 tonnes d'amour à chaque fois. Quand je te demande de rester focalisé sur le flux, tu es en train de casser la possibilité de culpabilité, d'indignité et d'existence d'un monde à l'extérieur, mais surtout, tu es en train de dégager le c'est pas de ma faute. Dès qu'on dit c'est pas de ma faute, on est en train de se protéger de soi, parce qu'il n'y a que soi. On ne veut plus cette place de créateur. Mais je suis en train de vous le rappeler, il n'y a pas un instant, autrement on ne serait pas qui on est, hein. Il n'y a pas un instant où on ne demande pas une perception. Il n'y a pas un instant où on n'est pas en train de créer son expérience. Il n'y a pas un instant où l'esprit ne s'apprend ce qu'il enseigne ou n'enseigne ce qu'il a à apprendre. Il n'y a pas un seul instant où vous ne soyez pas en attitude de don, c'est-à-dire de réception de la leçon que vous voulez faire. Dans ce monde, les deux seuls qui nous intéressent, c'est je suis qui je suis pas ou je suis qui je suis. Regardez la merveille, regardez, regardez. On a commencé avec ça, regardez. Je suis qui je suis pas. La graine, je suis qui je suis pas. Ça y est. Mais dans le simple fait de parler comme ça,
on perd l'intérêt même pour cette idée. Elle n'a pas d'intérêt en fait. Ça n'a pas d'intérêt d'être qui on n'est pas. C'est même pas intéressant, quoi. Ah ouais, c'est intéressant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est encore donner du. C'est se donner à qui? À soi. Il n'est question que de soi. Même si on se croit d'être une petite chose et qu'on peut on peut juger son pied, si vous voulez, et ça n'a aucune influence sur le reste. Mais quand je juge mon pied, j'influence la terre toute entière. Parce que la terre toute entière est dans mon esprit et je suis quand même mon esprit tout entier, le flux tout entier, même si j'utilise ce flux pour me faire croire que je suis une petite chose. Nanana, nanana, nanana. C'est génial, ça va être tellement clair pour tout le monde. Merci. Quel cadeau, c'est énorme. Alors c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, n'est-ce pas ? Parce que assez d'entre nous veulent rentrer. Veulent rentrer, c'est de dire, bon, ça va, c'est bon, c'est bon. On connaît la différence, c'est bon, c'est bon. C'est pas ce qu'on veut. Alors, on se focalise sur le flux. Quand on se focalise sur le flux, on arrête de se croire indépendant. Arrêter de se croire indépendant, c'est couper le sentiment profond d'indignité. Il n'y a pas d'option séparée du flux. Et tu ne peux jamais prendre de décision indépendante. L'indépendance n'existe pas. Mais à l'intérieur de l'esprit de réalité, c'est-à-dire la complète mais qui est réelle, il y a de nombreuses forces vibratoires en action. Ces forces vibratoires sont des causes et travaillent conjointement pour créer des effets. Ce sont toujours des causes, ce sont toujours des déclarations de désir. La cause de toutes les causes, dans l'esprit du Fils de Dieu, c'est le désir. C'est pour ça que la question « qu'est-ce que tu veux vraiment ?» est plus importante. Mais après, c'est un message qui sera beaucoup plus en détail. Dans pas longtemps, on arrive dans le code. Oh non, pas longtemps du tout, superbe. Où on va rentrer plus en détail dans qu'est-ce que c'est que ces vibrations. Ce qui nous importe dans notre vie de tous les jours, c'est de s'apercevoir que notre pouvoir est un pouvoir de perception. Et on ne peut jamais changer l'événement puisqu'il est déjà parfaitement tel qu'il a été demandé, apparemment dans un moment passé. Je dis bien apparemment parce que même tout ça, ça va pouvoir se verticaliser d'une façon incroyable. On va voir que le passé, en fait, on l'appelle passé, mais il va très vite. Il va tellement vite, clac, passe dans le passé. Mais en fait, c'est vertical tout de suite. C'est tout de suite. Tout se passe toujours tout de suite. Mais c'est énorme. C'est pas compréhensible à propos de à partir d'un arbre, mais à partir de la forêt tout entière que nous sommes. Nous ne sommes pas séparés. Mais il y a 2000 ans, c'est maintenant. C'est littéralement maintenant. Vous allez voir les effets qu'on peut avoir sur le monde entier. On aura d'autant plus d'effets sur le monde entier qu'on ne sera même pas intéressé d'avoir des effets sur le monde entier. Puisque le monde est un rêve dans moi. Tout ce qu'on veut, c'est se réveiller. Et quand on s'y attend, on ne se réveille pas tout seul, on se rappelle de tout ça ensemble. C'est très très puissant. Donc, il n'y a pas d'option séparée du flux parce qu'il n'y a rien d'autre en dehors du flux. Toutes les options possibles dans ma vie, si vous voulez, sont parfaites dans le flux. Je rappelle que quand il parle d'option, il parle de la façon de regarder une expérience. Donc, je n'ai pas le choix entre la banane et la pomme. Mais me faire croire que j'ai le choix entre la banane et la pomme, ça n'est pas anodin du tout. C'est une façon de faire l'expérience, c'est une déclaration de perception. Laquelle je suis ce que je ne suis pas. C'est-à-dire, je déclare que ce qui m'intéresse, c'est la perception d'indépendance. Les choses pourraient être différentes, regarde, j'ai le choix. Eh bien, croire à ça, c'est déclarer, rien n'est anodin. C'est pas au niveau du corps que je crée, c'est au niveau de l'esprit toujours. Et si je crois que ce que fait le corps est réel, je suis en train de créer mon envie d'oublier. Vous voyez comme rien n'est anodin ? Rien ne quitte sa source non plus ? Il n'y a pas d'option séparée du flux, tu ne peux jamais prendre une décision indépendante. L'indépendance n'existe pas. Quelque chose d'important, c'est que on parle souvent de script, on a envie d'améliorer son script, c'est tout à fait normal. J'ai fait une vidéo qui s'appelle, où je parlais à Sophia d'ailleurs, à Annecy, qui s'appelle... Donne-toi les moyens de faire de meilleurs choix. Quand on voit que les choix sont en fait toujours en cause, jamais en effet, même quand on croit que c'est en effet, c'est en cause, sont toujours vibratoires. Et ces vibrations sont des graines de perception. Par exemple, le choix de la confiance est un choix de vibration.
de perception de cause. Ce choix de la confiance maintenant va télécharger un univers adéquat à cette vibration-là. Quand je me juge, et on a vu que ça va loin les jugements, hein, quand je pose une question apparemment anodine, je suis en train de me juger. Quand je suis en train de poser cette question anodine et donc que je suis en train de me juger, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de déclarer une vibration d'expérience. Je suis donc en train de choisir ma perception. La façon, parlons encore passé futur, ok? La façon, ou si vous voulez, un univers total que je télécharge, c'est-à-dire c'est une prochaine réalité. Je suis en train toujours de télécharger mes réalités futures. Je suis en train de télécharger mes univers parallèles. Il y en a des milliards d'univers parallèles. Ils vont toujours suivre la trame de mon choix de perception. C'est pour ça d'ailleurs que un désir puissant de vérité seulement avec cette compréhension, la compréhension créateur, va faire que vous allez vous retrouver dans des mondes où tout le monde est éveillé. J'ai fait une publication là-dessus sur le groupe des enseignements de l'esprit. C'est littéralement où je me suis retrouvé. Genre, mais c'est quoi ce monde? Tout le monde, c'était Einstein, quoi. Mais tout le monde, mon père, ma mère, tout le monde. Je n'avais pas d'amis spirituels à l'époque. C'est-à-dire que toutes ces réalités existent maintenant. À nous de les télécharger. Ces réalités, vous voyez bien que si on peut les télécharger, c'est du rêve. Ce n'est pas de la réalité, mais on peut s'amuser. Et on va toujours télécharger un univers, un futur. C'est un univers complet. Parce que je ne télécharge pas juste, si vous voulez, juste un truc, là, anodin, dans ma petite vie. Il faut changer l'univers tout entier à chaque fois. Parce que l'univers entier change à chaque fois. On avait parlé la dernière fois, je crois, à l'idée des différentes images, des différentes images par seconde. Hein? Chaque image est indépendante. Est indépendante, c'est-à-dire existe par elle-même. Il ne peut pas y avoir d'autres options que celles qu'il y a sur cette image-là. Qui est l'effet parfait, et c'est très complexe, et la cause parfaite aussi, parce que ça nous oblige à penser cause-effet, effet-cause, demander-recevoir en même temps, sans le temps. C'est très très difficile, mon mental il craque quoi. Mais il y a des lueurs de clarté, et j'espère qu'elles passent. Oui, elles passent. Donc, dans cette vidéo, je parlais d'un truc chouette, c'est que on n'est pas les penseurs de nos pensées. Avant d'avoir confiance ou d'accepter l'expérience, il faut que j'entende la possibilité. Fais confiance. Accepte plutôt que de juger. Mais comment ça se fait que dans mon expérience, la pensée accepte ou la pensée ne juge pas arrive? Parce que si je voulais toujours m'enseigner que je suis ce que je ne suis pas et donc que je suis indépendant et que je suis aux commandes en tant que corps, mais cette pensée jamais ne serait disponible dans mon esprit. Accepte tout, fais confiance. Non, il n'y aurait que la pensée juge pas bien ou mieux ou moins bon ou meilleur. Il n'y aurait pas la pensée confiance parce qu'elle ne veut rien dire confiance dans l'ego. Donc, elle ne serait pas du tout disponible et pourtant, regardez que dans vos vies de plus en plus, elle arrive la pensée. La possibilité de faire la pause et de ne pas juger, en faisant la pause, et de créer la confiance. De faire la confiance et créer la confiance, je ne peux pas faire autre chose que créer. Hein. Tout ce que je crois, je le crée. Je le demande et je le reçois. Je l'apprends et je l'enseigne. Okay, je ne peux pas ne pas créer. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est par l'opération du Saint-Esprit, c'est le cas de le dire, je suis dans ma vie, alors j'ai plein de situations dans lesquelles d'habitude je réagis comme ci, comme ça, et là, boum, pause. Il y a pause qui arrive, elle arrive avec une telle envie de faire pause que je suis là, pause. Je regarde les réactions de Laurent, les jugements, le content, il veut plaire, il veut pas plaire, je sais pas quoi. Ou les doutes par exemple, les doutes dans les une création de deux options possibles avec des doutes, ça sert un but ça. Se prendre la tête entre deux choix, mais ça sert un but bien précis. Me maintenir indépendant. C'est-à-dire me maintenir arbre détaché de la forêt. Est-ce que c'est ce que je veux? Non, pause. Plus je fais pause, plus je me rappelle ce que je veux, plus je rends disponible ces couches vibratoires dans mes univers que je télécharge. Autrement, je continue de me télécharger des univers avec mieux, moins bien, n'est-ce pas, le but est dans la chose, j'arrive, j'arrive pas, je suis pas à la hauteur, j'ai pas envie de le voir, c'est clairement pas de ma faute. Ça, c'est des pensées qui continuent un script. Mais il y a plein de scripts disponibles.
comment les avoir. C'est ça qu'on veut. Nous, on veut atteindre les scripts de rêve heureux, quoi. Les scripts où on aime tout le monde, où tout réussit, où tout est fluide, où on n'a plus besoin de temps, où pas uniquement on trouve les places de parking, mais aussi, sans choisir, où tout est un flux et je suis le flux. Enfin, on veut la complète. Pourquoi on veut la complète? Parce qu'elle est là, elle existe, elle nous attend. On se donne les moyens, cet enseignement du moins, hein, il n'y a pas que lui, on se donne les moyens de se télécharger en réalisant un autre pouvoir, deux, tout vient de moi, donc pouvoir, puissance, trois, mais montre-moi ce que je suis en train de créer. Vous savez que la graine « montre-moi ce que je suis en train de créer », c'est une vibration bien élevée, quoi. C'est autre chose que « c'est pas de ma faute, c'est de sa faute ». Mais toutes tes vibrations, toutes tes graines, et je rappelle que notre choix est un choix de perception, c'est-à-dire de comment faire l'expérience. Avec la colle du jugement ou avec l'espace de la confiance. Notre seul choix, il est là. Il est où est-ce que je me place? Parce que où je me place va créer. Ok? C'est génial de le voir comme ça. L'indépendance n'existe pas. Mais à l'intérieur de l'esprit des réalités, il y a de nombreuses forces vibratoires en action. L'indépendance n'existe pas, c'est-à-dire que croire que je suis indépendant est une façon de voir. Mon site s'appelle « Une autre façon de voir ». Et parce que tout est une façon de voir. Je fais l'expérience de la façon de voir que j'ai demandé. Puisque mon esprit s'appelle voir. J'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais on est en train de danser avec des synonymes. Ok. Si je crois à l'indépendance, j'ai demandé des vibrations d'indépendance. Et donc je me télécharge des univers avec cette possibilité d'option-là. Je ne vais pas avoir... Si j'arrête pas d'en vouloir à mon voisin et dès que la pensée voisin arrive, j'y crois, j'ai envie de le tuer, je vais avoir du mal à avoir en possibilité d'option, va l'embrasser, c'est pas de sa faute, pardonne-le. Non, parce que je veux pas en fait. C'est pour ça que je vous dis que toutes les options et la chose la plus utile, c'est qu'est-ce que je veux. Si je veux avoir raison, mais je ne me déclare pas, je ne me donne pas comme possibilité d'autres options, des options de confiance, d'amour, de joie, de partage. Je m'en donne un tout petit peu, puis je reviens à mes habitudes. Des habitudes de peur, qui sont des habitudes d'indépendance. Se croire indépendant, c'est déclarer que la peur est son meilleur ami, parce qu'elle nous protège de quoi? Du reste de la forêt. Pourquoi? Parce que je suis indépendant. Okay. Ces forces vibratoires sont des causes et travaillent conjointement pour créer les effets. Alors, y a-t-il un choix de vibration? Réponse, il y a toujours le choix de vibration. Et le choix de vibration que tu fais entre en unisson avec la totalité du choix vibratoire, de l'esprit tout entier qui fait son expérience. Ok? Comment? En choisissant des vibrations, en choisissant une façon de voir. Quand je choisis ma façon de voir, j'influence tout le monde. Mais beaucoup plus que dans les effets, dans la cause. Et la cause s'appelle voir. Ok? Il y a toujours le choix de vibration, et le choix de vibration que tu fais entre en unisson avec la totalité du choix vibratoire. Et une option naît ainsi. Cette option est une décision de voir, d'une certaine façon, qui va se manifester dans l'expérience à moins qu'un changement vibratoire n'ait lieu. C'est-à-dire que, là c'est la fameuse pensée seconde, si vous voulez. Voilà mon choix, et là il y a une autre option qui arrive que j'écoute. L'habitude de juger, l'habitude de douter. Eh bien c'est celle-là que je vais créer maintenant. Même si ce que j'ai entendu en premier c'était « fait confiance », après, il y a eu la grosse culpabilité et je suis en train de travailler sur la culpabilité alors que je pourrais faire pause si je me l'étais rendu disponible. Je pourrais faire pause, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. C'est pas vrai parce que ça ne m'intéresse pas. C'est vrai parce que ça m'intéresse. Vous reprenez position. C'est vrai parce que ça m'intéresse. C'est moi qui rends réel. Sauf l'esprit de réalité, je ne peux pas le rendre réel. Il a été rendu réel pour moi. Pause sur la culpabilité. Je vais me mettre à écouter l'option, fais confiance. Plus j'écoute cette option, plus elle va grandir dans mon expérience, plus elle va télécharger des petites sœurs. Confiance, confiance, confiance. Mais plus je fais ça, plus j'ai accès à des vibrations plus élevées que confiance. Je vais avoir accueil, confiance, mais après il va y avoir joie, amour, partage, réalisation, éveil, Saint-Esprit. Tout ça, c'est des vibrations plus élevées auxquelles j'ai accès par mon choix de vibratoire, dans l'instant. Le moment présent est le moment qu'on ne veut pas rater puisque c'est le moment de création. De quoi? De but. Le moment présent est le moment par lequel je déclare mon but et je le déclare pour le monde entier. Et le monde entier le déclare pour moi. Donc on n'est pas indépendant du tout, du tout. On est tous auto-influencés et influençables.
C'est là où Star Wars passe très très bien, la lumière est plus forte que l'obscurité. Vouloir voir a une vibration beaucoup plus, avec beaucoup plus d'envergure que continuer à ne pas voir. Pourquoi ? Parce que vouloir voir, c'est un écho de la réalité, de ce qui se passe vraiment. La réalité, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est solide, donc c'est plus solide que ce qui n'est pas réel. Ce qui n'est pas réel n'existe pas, puisque seule l'existence est réelle. Ok ? Donc à un certain moment, vous voyez bien que la faille ne peut que s'ouvrir énormément, quoi. Continue un tout petit peu. Allez, un petit paragraphe. Il y a toujours le choix de vibration, et le choix de vibration que tu fais entre en unisson avec la totalité du choix vibratoire. Et une option naît ainsi. C'est un bijou, pas un diamant. Cette option est une décision qui va se manifester dans l'expérience à moins qu'un changement vibratoire n'ait lieu. Si un changement vibratoire a lieu, une nouvelle option sera présentée et cette nouvelle option sera expérimentée. Pensez option, pensez idée, pensez vibration, pensez regard. Qui ne passe jamais inaperçu parce que dès que je fais un choix d'idée, clac, l'expérience arrive tout de suite comme on l'a dit au tout début. Les énergies vibratoires peuvent changer à tout moment et l'effet qui en découle est un changement du flux. Un changement de vibration ne peut avoir lieu sans changement d'effet. Les idées n'ont pas quitté leur source. Dès que je change ma façon de voir, l'expérience tout entière change. Si je ne m'en aperçois pas encore complètement, c'est que ou alors mon désir de changer n'est pas totalement brûlant, et j'en garde un petit peu sous le siège, sous les pieds, je veux encore me garder des petits endroits où je veux encore rester tout seul, c'est ça que ça veut dire. Donc les effets seront moins forts. Ou alors, c'est pareil en fait, j'y vais un petit peu mollo, c'est-à-dire j'y vais avec l'acceptation, la confiance, etc., le courage, et petit à petit, ça monte petit à petit, et peut-être que je ne m'aperçois pas des changements drastiques et immédiats dans mon changement de perception, mais si je fais la pause et je me demande comment j'étais il y a 10 ans, on ne s'en rappelle même plus, mais comment j'étais il y a un mois, mais oh là là, je n'évoluais pas dans le même univers, de toute façon l'univers change à chaque fois, mais je n'évoluais pas dans le même univers, j'avais un corps différent par exemple. Ça nous ouvre des possibilités géantes pour ceux qui sont intéressés par la guérison des corps. C'est pas le corps que je vais guérir, c'est je vais me télécharger un univers tout entier avec un corps qui va répondre à une certaine fréquence. Et ce qu'on veut comme fréquence, laquelle marche ? Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis, cherche le royaume avant tout et tout le reste est donné de surcroît. La santé du corps, l'intelligence, les amis, tout ce qui t'importe t'est donné. C'est un univers qui veut que ton bien, que ton bonheur. Il connaît ton bonheur dans l'expérience et il connaît ton bonheur de te rappeler que tu es créateur. Même l'expérience est embrassée. Ça, je dis ça, c'est important parce que je le vois en moi, l'envie de conclure. Ah ben non, c'est pas bien, donc machin. Non, mais tout est embrassé. Même mon expérience est embrassée. Même mon abondance matérielle est embrassée. Rappelez-vous du but. Encore un petit paragraphe. Au niveau pratique, comment ça marche ? Demande Regina. Un changement de perception ou bien un changement de façon de faire l'expérience d'un événement, c'est un changement de vibration. Et ceci crée un changement du flux. En d'autres termes, toi et les autres réagiraient différemment. Je crois qu'on peut terminer en fait, parce qu'on a tout compris. Toi et les autres réagiraient différemment à un nouveau flux vibratoire. C'est très simple, hein ? Vous avez vu en fait ? Au niveau pratique, comment ça marche ? Un changement de perception ou bien un changement de façon de faire l'expérience d'un événement, c'est un changement de vibration. On parle que de vibration, on parle que de perception, on parle que d'expérience qui n'est qu'une expérience de perception. Ceci crée un changement du flux, comme on vient de le voir. En d'autres termes, toi et les autres réagiraient différemment à un nouveau flux vibratoire. Toi et les autres réagiraient différemment. Et là, tout de suite, la question qui... Mais alors mon choix de perception affecte les autres, donc je suis affecté par le choix de perception. La réponse, oui, puisqu'il n'y a pas d'autre. Pourquoi est-ce que j'affecte les autres ? Parce qu'il n'y a pas d'autre. Pourquoi est-ce que les autres m'affectent ? Parce qu'il n'y a pas d'autre. Il y a seulement le flux. Chacun, à chaque instant, agit à son propre niveau vibratoire, en harmonie parfaite avec le flux vibratoire total. Rien n'est jamais, pas à sa place, en anglais, out of whack. Rien n'est jamais out of whack. C'est une expression un peu argot, qui veut dire que, en fait, j'aurais pu dire, rien n'est foireux, quoi, ou rien n'est foiré. Tout est absolument parfait.
Tout est le résultat parfait de mes demandes individuelles parfaites qui rentrent en unisson et en cohésion complète avec le flux total que je suis en réalité, qui affecte toutes les autres facettes du flux qui sont mes frères et mes sœurs, qui sont en fait moi-même. C'est énorme. Chacun à chaque instant agit à son propre niveau vibratoire en harmonie parfaite avec le flux vibratoire total. Rien n'est jamais pas à sa place. Chaque instant est absolument parfait. Chaque action ainsi que chaque personnalité est une résultante parfaite du flux. Bref, même si c'est too much, ça va nous donner envie d'arrêter de vouloir changer, que maintenant est complet et que maintenant est parfait. Même comment je me sens. C'est pas moi qui crée de façon personnelle comment je me sens. Je suis créateur avec vous. On est un. Il en reste beaucoup encore, non ? Non. Donc il n'y a pas d'autre choix qu'un choix de perception, dit Regina. Mais un choix de perception affecte le flux vibratoire et cela résulte en ce qui semble être une option différente. Réponse. Il va stretcher encore un petit peu plus. Le problème avec le Saint-Esprit, c'est qu'on lui donne un petit truc, puis dans l'amour, parce que c'est ce qu'on veut vraiment, il va nous amener un petit peu plus loin dans notre connaissance. Oui, mais la présente option est le résultat du présent flux. Une autre option ne peut pas exister en réalité maintenant. Chaque moment est parfait. J'ai dit complet tout à l'heure. Chaque moment, il n'y a pas autre chose que maintenant. Il ne peut être différent. On ne peut donc pas le juger en vérité. Et finalement, la dernière ligne. Apprendre ceci, c'est tout apprendre. Ton seul choix est un choix de perception, de la manière dont tu regardes ou tu ressens l'expérience. Mais ce choix a un effet sur tout ce dont tu fais l'expérience. Cela ne peut être différent. Je relis et je conclue par cette relecture. Parce que c'est le résumé, en fait. On a vu plein de choses. Si on veut se rappeler d'une seule chose, d'ailleurs, on n'a pas à s'en rappeler intellectuellement parce que ça fait partie du tissu de connaissances dans lequel nous évoluons maintenant. Apprendre ceci, c'est tout apprendre. Ton seul choix est un choix de perception, de la manière dont tu regardes ou tu ressens ton expérience. Mais ce choix a un effet sur tout ce dont tu fais l'expérience. Cela ne peut être différent. Et voilà. Petit moment d'intégration pendant qu'on croit encore autant. Je vous invite à me donner la main. Ne pas croire qu'on était séparés pendant l'heure qui vient de... l'heure et quelle qui vient de défiler. Que tout ce qui a été dit n'aurait pas pu être autrement, parce qu'il est toujours, il a été et est toujours le résultat parfait de tout ce qu'on a demandé. Il n'y a pas de différence entre l'esprit qui demande et l'esprit qui parle, ou l'esprit qui reçoit. Heaven's up. Ça s'intègre dans notre écoute, dans la confiance. Come to the circle, teach peace for me. Come to the circle of light. We are God's only child, all of us one in Christ. Leave no one desolate and separate outside. Come to the circle, it's holy ground. Blessed by the purpose we share.
leaving the world we made, reclaiming heaven's love for everyone as Christ. Je dis au revoir mes amis sur YouTube et à la semaine prochaine.